Philippe Braz, je suis à Berlin depuis 10 ans maintenant, arrivé ici en 2004, essentiellement auteur de théâtre. J'ai écrit 13 pièces, auteur de dramatique radiophonique également. Et je suis nouvelliste, poète. Voilà, un petit peu donc tout ce qui concerne la prose poétique et le théâtre. Ce sont mes domaines de prédilection dans la littérature. Donc mon travail est édité en français et en allemand, ici chez Fischer Verlag, et aussi chez Felix Bloch Erben. Et donc je suis parisien d'origine et berlinois d'adoption. Wahlberliner, comme on dit, c'est-à-dire berlinois par choix. Pourquoi je suis venu à Berlin en 2004? C'est le résultat d'un long processus qui m'amène vers l'Allemagne, en fait, en général, et vers Berlin en particulier. Donc, il y a une rencontre au tout départ de mon tropisme allemand. Il y a une rencontre avec un traducteur qui s'appelle Simon Verle, qui est le traducteur de Bernard-Marie Koltès en Allemagne, qui est le traducteur aussi de Racine, de Molière, enfin un traducteur très connu et également romancier. Et donc, je lui envoie une pièce qui s'appelle « La nuit des baleines ». Donc, il la lit, il me répond deux, trois jours plus tard qu'il souhaite la traduire. Et donc, j'entre dans une édition chez Stephanie Hunsinger, donc Bühnen Verlag, du côté de Francfort. Et c'est le début, après cette traduction, donc la pièce est jouée à Karlsruhe. Et c'est le début d'une série de résidences d'artistes, aussi bien à Stuttgart, Schloss Solitude, que Villa Valberta à Munich, puis Berlin, ici la fondation Gensheim. Donc ça fait à peu près une année entière passée en Allemagne à rencontrer des artistes, à me faire des relations d'artistes, d'amis, professionnels aussi. Et l'aboutissement de tout ça, c'est effectivement une résidence de plusieurs mois à Berlin, et puis l'idée d'y rester. L'idée de rester dans cette ville où je retrouve mes amis des différentes résidences, en fait, qui sont venus s'installer ici, parce que Berlin a attiré tout le monde. Autant l'Allemagne avant était un pays dans lequel les artistes pouvaient travailler à Hambourg, à Munich, à Stuttgart, autant maintenant, quand même, il y a une espèce de centralisme artistique qui dans les faits, fait que tout le monde vient s'installer à Berlin, que ce soit les acteurs, les plasticiens, les écrivains aussi. Alors, est-ce que Berlin modifie mon travail d'écrivain? Oui. Donc, c'était une source d'inspiration, cette ville, déjà, donc, quand j'ai écrit un texte de prose poétique qui s'appelle « Berlin, loin de la mer », qui évoque un petit peu ma découverte de la ville, la manière dont j'ai été étonné, surpris, interloqué parfois par cette ville, par donc les souvenirs et qui affleurent partout, les souvenirs donc de la littérature pour moi qui m'intéresse des années 20, de l'expressionniste on va dire, hein, la littérature du mouvement expressionniste à berlinois. Et puis aussi, évidemment, toutes les cicatrices de la guerre qui sont partout présentes, de moins en moins, mais qu'on peut quand même déceler encore. Et ce choc, donc, vraiment, a été pour moi un moteur et une source d'inspiration d'écriture très, très, très durable dans le temps. Hein. Aussi, donc, le travail que j'ai pu effectuer avec des artistes que j'ai rencontrés ici. Donc des performances, ce que j'appelle des performances, qui sont en fait des présentations scéniques de textes que j'écris, donc Berlin loin de la mer par exemple, ou Global Eden, qui est une adaptation de ma pièce Eden Hotel, ou alors Usodo Moratorio, autour de Von Braun. Et donc je travaille avec un artiste allemand, vidéaste et musicien, Markus Lang, et une metteur en scène, Brigitte Athéa, et on fait des performances qui sont en fait des lectures poétiques, on va dire, des moments poétiques, de poésie totale, j'appelle ça, donc aussi bien poésie visuelle que musicale que par le texte. Et donc on fait des spectacles qu'on tourne en France. Et ça, c'est Berlin, ça c'est Berlin. Il n'y a qu'à Berlin que je pouvais faire ça. Alors, est-ce que j'ai un rapport plus direct qu'en France avec le public ici? Le public berlinois est un public remarquable, je dois dire. Il y a quelques années, on avait monté dans un petit café ici à Schöneberg, on avait monté ce qu'on appelait une revue parlée,
Donc l'idée, c'était d'avoir un rendez-vous le troisième jeudi du mois, autour de quelques artistes et de commenter un petit peu l'actualité artistique, d'avoir une musicienne qui joue du violoncelle, des poèmes. Bon, enfin, c'était tout à fait spontané dans un café de Schöneberg. Et à notre grand étonnement, au bout de deux éditions de cette revue parlée, en français et en allemand aussi, mais enfin beaucoup en français, c'était plein tout le temps. C'est-à-dire que les gens faisaient la queue pour rentrer. Et ça, c'est vraiment Berlin. Ici, à l'Institut français, il y a une nuit de la poésie il y a deux ans, avec 600 personnes qui sont venues participer, écouter à cette nuit de la poésie, enfin, qui étaient là. Donc ça, le rapport au public, c'est extrêmement, extrêmement enrichissant pour les artistes. Il y a une grande habitude de l'écoute. Alors, c'est peut-être le côté un petit peu, protestant, le côté pasteur, on écoute le pasteur qui parle. Enfin, j'ai pas d'explication en vérité. Mais y a une attention à la parole, et pas seulement au livre, enfin, mais aussi à la parole de l'auteur. Effectivement, les écrivains allemands vivent beaucoup de ça. Ils font des tournées dans les librairies et ils gagnent pas mal d'argent avec ça. Ils vendent leurs livres. Et chaque fois, les librairies sont pleines, les gens achètent. Il y a un grand respect de l'oral, en fait, de l'oralité. Et les gens aussi veulent participer à ce qu'ils appellent des podium discussions, c'est-à-dire des discussions publiques, comme ça, des rencontres publiques. Et ils sont passionnés, et ils posent des questions souvent pertinentes. Enfin, il y a une pratique de la rencontre qui est très, très, très forte. Est-ce que la ville a changé depuis 2004, depuis mon arrivée ici? Effectivement, elle a énormément changé. Là, on est sur le Kurfürstendamm, qui se trouve derrière nous. On entend la rumeur des voitures. Il y a 10 ans, c'était une avenue qui était quasiment vide. À cette heure-ci, donc 10h20, il n'y avait quasiment personne. Berlin était encore une ville en train de se faire, une ville chantier complètement, ça le reste. Mais enfin, c'était une ville chantier, une ville émergente de l'histoire, une ville no man's land, avec des terrains vides partout, des friches partout. Peu à peu, la ville s'est reconstruite, se reconstruit toujours. Elle draine tout un tas de populations jeunes, en général allemandes, mais aussi du monde entier. Donc, et la ville s'embourgeoise aussi, devient la gentrification. Donc voilà, la ville a énormément changé, elle s'est un petit peu normalisée. Elle est moins atypique qu'avant.